Pas mal de voitures sur cette journée des JAP 974 en termes d'installation audio. Et pour ce faire, à mes côtés, Mécano Lacour, comment il est? Ben, elle est là. Avec soleil top. Oui, hein, on va dire un soleil monstre du côté de Sainte-Anne. Alors du coup, toi, tu es passionné, on va dire, de son embarqué. Ben oui, c'est hein, ça. Avec une petite particularité qu'on a vue spécialisée dans la voix pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, ben, donc travail qui n'est pas fini. Qu'est-ce qui est à venir chez toi comme matos là prochainement? Normalement, on a encore la bâche pour mettre, les voix dans les portes. Bon, quoi, t'es un gros travail alors. Ah oui, non, on va dire que la Team XL Audio bien présent dans le domaine du car audio même sur ça, la Réunion. Alors, il pense qu'il y aura encore de modifications. Pas encore terminé. Bon, on va dire très très prochainement, je pense, à découvrir dans, dans Passion Tuning. Et on se prépare, on s'y attelle à la nuit du tuning du côté de l'entre-deux, de votre côté, hein, vous allez être présent? Si. Oui. Des petites nouveautés cette année, ou sinon on reste quand même déjà sur même lancé? Ok. Et du côté, on va dire, du préparateur, de l'installateur? Les gars, ils bossent bien. Ça marche. Après, nous remercie XL Audio. Exactement, qui fait un gros travail, hein, belle présence quand même. Bascule quand même avec Emmanuel Tenon. Hein, c'est vrai que point de vue taille, moi je fais ça pas change. Le poids, hein, peut-être comme ça, mais bon. Pourquoi tu es aussi grand? Ah ben ça, faut demander aux parents. T'as tout volé, hein, c'est pour ça que moi je suis aussi petit. Les voisins t'arrivent avant moi, je pense. Faut pas dire de non. Ok, c'est parti. La Team XL Audio 2014 s'annonce comment? Ben 2014 s'annonce une année, ben, dire prometteuse pour nous. On va voir de beaux projets en cours, beaucoup de travail. Donc la nuit tuning, oui, on y sera. Les voitures vont être présentes, mais sera pas comme on l'aurait voulu, quoi, parce que bon, on va faire sortir des voitures pour être là, pour participer, parce qu'on aime ça, on va être présent sur tous les meetings. Okay. Mais les versions définitives des voitures, bah, sera pour cette année, mais on va aller plus sur milieu de l'année, d'année, le temps de tout finir préparer, quoi, parce que c'est quand même un gros travail. Tout à fait. Qui demande beaucoup de patience et de rigueur, quoi. Donc on est là et on bosse, hein, donc on verra bien. Mais il n'y a pas de souci, de toute façon on est qu'en début d'année, hein. Il y a plein d'événements à venir. Mais l'année passe vite. Tout à fait. Donc, voilà. J'espère que vous allez avoir le temps de vous faire remarquer comme il le faut sur les événements. Ben on espère. Hein, aux côtés des autres équipes qui travaillent bien aussi. Ben voilà. Ça marche. On prend la température avec ton ami. Ça va bien? Ça va. Hein, donc au niveau technique, c'est toi qui t'en occupes? Non, pas vraiment. Enfin, comme on est trois au niveau du magasin, du coup, moi je m'occupe plus, on va dire, relation des marques avec ce qu'il faut commander en magasin. Mm-hmm. Après, Manu, on va dire, c'est lui qui s'occupe vraiment tout ce qui est comptabilité, puis machin. Mm-hmm. Après, il y a Emeric qui, lui, maintenant, s'occupe vraiment de tout ce qui est réglage, installation réglage, voilà. Ça se passe bien, on va dire, en nickel, général. Nickel. Pas trop de gros soucis particuliers. Non, pas du tout. Hein, même pas avec les câblages, tout ça, tout est ouais, OK. Parce que après, maintenant, on a pas mal de grosses marques qui sont quand même très connues. Et du coup, ça reste du très bon matériel. Donc, déjà, si on sélectionne déjà à la base le matériel, beaucoup, ça résout quand même beaucoup de soucis après derrière, quoi. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Merci pour ces quelques mots. Hein. Bien sûr. Et on se dit à très prochainement sur les événements 2014. On fait comme ça. Ouais. Hein, on reste fidèle à l'émission Passion Tuning. Ah oui, j'ai vu ça, bien fidèle, c'est ce qu'il faut. On fait comme ça. L'émission vous plaît? Ah oui. Des petites idées peut-être à proposer, peut-être à innover? On la discute après en privé. Ah. Ok, d'accord, écoute, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, bonne journée. Ça marche.